Donc l'islam a donné une grande place à l'enfant avant même sa naissance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? On épouse une femme pour l'une de ses quatre qualités. Sa richesse, sa noblesse, sa beauté et sa piété. Choisis celle qui a la piété, périsse ta fortune si tu n'agis pas ainsi. Déjà, l'islam t'a encouragé de choisir la mère de l'enfant avant même qu'il naisse. Une femme pieuse qui va pouvoir lui donner une bonne éducation. De même que l'islam a donné des droits à l'enfant, déjà dans le ventre de sa mère, une fois qu'il naît, de lui choisir un bon nom, ça a un effet sur son éducation. Et lui faire l'aqiqa, dégorger la bête deux moutons quand c'est un garçon et un mouton quand c'est une fille, pour que Shaytan n'ait plus d'emprise sur lui. De même que de lui donner une bonne éducation, comme on va le voir, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala.